Grün und wünscht eine angenehme Reise. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Allegra. Signore e signori, il personale di bordo della ferrovia retica vi dà il benvenuto a bordo del nostro... The train crew of the Rhaetian Railway welcomes you on board our... Regio. Service to... Campo Colon. Eh bien, salut à tous, c'est Valentin, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Train Sim World pour la présentation de ce que vous venez de voir à l'instant, le First Look Bernina Lini Tirano Ospizio, qui est bientôt disponible sur Steam, sorti le 16 janvier par Rivet Games. Et il y a actuellement déjà une réduction de 10%. Il est temps de franchir encore une autre frontière. Les montagnes alpines, les pistes enneigées et les pentes raides et abruptes arrivent bientôt avec Bernina Lini, Tirano Ospizio Bernina. Sortira donc le 16 janvier grâce à Rivet Games, le partenaire de Total Games. C'est donc Rivet Games qui a créé ce scénario, ce DLC. Et il reprend un petit peu le DLC qu'on avait avant, qui était sorti pour le Train Sim World 2, il me semble. Il me semble pas que c'était le 3, je sais plus si c'était le 3 ou le 2, mais c'était donc la Arosa Lini. Et là, on se retrouve avec de la Bernina Lini. Donc, encore une ligne suisse. Une ligne suisse qui est là, dans Train Sim World. Deuxième ligne... troisième ligne suisse. Pas deuxième, troisième. Du coup, on nous parle d'un peu de cette route. Il est temps de partir à l'aventure dans les Alpes grâce au service de renommée mondiale des RHB, les fameux trains suisses, qui sillonnent la Suisse et franchissent la frontière italienne. Parce que ce DLC, il franchit la frontière italienne. On a un DLC suisse-italien. Un autre nouveau pays se faufile donc dans Train Sim World, avec cette ville italienne de Tirano, qui constitue le point final de ce dernier module complémentaire d'itinéraire. Voici une belle photo de ce service RHB dans les montagnes suisses. Une autre belle photo ici. Une belle pente. Là, cette fois-ci, sans neige. Ouverte pour la première fois en 1908, cette ligne de chemin de fer historique à voie unique, à voie métrique, trois pieds, serpente jusqu'aux montagnes le long de pentes aussi raides que 7%. 7% de pente. C'est incroyable. Avec des trains, quand même. Certaines des pentes les plus raides pour un chemin de fer d'adhésion dans le monde. Construite principalement pour desservir les touristes et les locaux, ainsi que pour faciliter l'accès aux centrales hydroélectriques, cette ligne spectaculaire continue d'impressionner les passagers du monde entier. Et ici, on a une belle photo donc de cet itinéraire. Un beau route map. On voit Ospizio Bernina à 2253 mètres. Et puis on descend vers l'Italie. En direction de l'Italie, on est dans les montagnes, 2253 mètres, et on descend en Italie pour arriver à Tirano à 429 mètres. Et entre, on passe à Alpe Grum, à Cavaglia, à Cadera, à Pochiavo, à Licurt, à Leprese, à Miralago, à Bruzio, à Campaccio, à Campacolonio, avant d'arriver en Tirano en Italie. Et vous allez me dire, mais c'est des noms italiens, pas des noms suisses.
Mais c'est normal parce qu'on est dans la Suisse italienne à cet endroit-là. Donc on est bien dans la Suisse italienne pour arriver en Italie. C'est pour ça les noms sont un peu italiens. Dans le jeu, donc l'itinéraire s'étend de Tirano qui se trouve à 429 mètres, ce que je viens de dire, d'altitude, et se dirige vers le point culminant de la ligne Ospizio Bernina tout en haut, en Suisse, à une altitude de 2253 mètres. En cours de route, l'itinéraire serpente et serpente les pentes. Ainsi de suite, tac 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 tac, comme un serpent, on peut le voir ici, hein, tac 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 tac. Revenant d'abord sur lui-même via le viaduc en spirale de Brusio. À Brusio, on a un viaduc en spirale, il est là. On le voit là, une petite spirale ici. Juste au sud de Brusio, avant de passer par le lago de Pochiavo et de parcourir un certain nombre de virages serrés avant le sommet. Au-delà du paysage naturel impressionnant, les trains traversent les villes avec des fonctionnalités de circulation routière et de circulation routière personnalisée dans le jeu, qui s'arrêtent à chaque train qui passe. Donc à chaque fois qu'il y a un train qui passe, il s'arrête. Parce qu'on passe dans la ville. Ça c'est top. Donc il y a de la circulation qui s'arrête quand le train y passe. Il n'y a pas de passage à niveau, hein. C'est vraiment le train qui passe comme un tram. Des montagnes spectaculaires, comme on peut le voir derrière là. Vraiment, derrière le clocher, c'est magnifique, ce point de vue. Des paysages hivernaux et alpins définissent les vues des passagers et des conducteurs. Recréés grâce à l'utilisation d'un lidar de 1 mètre, qu'on peut voir ici, et d'autres outils d'aménagement paysager, le caractéristique hivernal personnalisé inclut la glace du Lago Bianco et les glaciers de l'Alpe Grum. Ici, l'UEMABE812 Allegra, de la Rettichebahn RHB, exploité par les chemins de fer Rettich, donc, ou RHB, comme je viens de dire, monte régulièrement jusqu'à Ospizio Bernina, ce train. Introduit pour la première fois en 2009, cette EMU bitension est capable de fonctionner avec l'alimentation 1000 volts CC de la ligne Bernina, en plus de l'alimentation 11 kW, 16,7 Hz, présente sur le reste du réseau central des chemins de fer Rettich. L'Allegra détient même le record de vitesse sur les voies ferrées à voie métrique, atteignant 139 km par heure, lors d'un essai sur une autre voie ferrée en 2009. Ici, on peut voir une belle photo de la cabine intérieure, voir que c'est pas mal, hein. Ça peut vraiment être pas mal. En plus de ça, comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo, on a les voies, on va en parler juste après. Même si le RHB est peut-être familier aux joueurs des précédents modules complémentaires de la route suisse, cette EMU moderne et élégant, offre une traction contemporaine à maîtriser. L'unité de 3 voitures a la capacité de s'attacher et de transporter des voitures supplémentaires en haut de la montagne, et cette fonction s'étend aux frettes, offrant aux joueurs une opportunité opérationnelle inhabituelle. La performance de l'Allegra lui permet de gérer facilement les courbes serrées et les montées raides, mais les conducteurs devront se méfier des arrêts et des démarrages en côte lorsqu'ils sont perchés au sommet de la montagne. Les modules complémentaires d'itinéraire comprennent également une sélection de matériel roulant supplémentaire pour permettre le fonctionnement du groupe mixte derrière l'Allegra. Il y aura également des wagons citernes RHB ZA, des wagons à bois RHB SPW et des autocars EW I, A et B. Les services et gameplay qu'il peut y avoir dans ce DLC. Les services sur ce tronçon de la ligne Bernina comprennent principalement les services Tirano Saint-Moritz qui s'arrêtent à Ospizio Bernina avant de manquer de cartes. Bien sûr, parce qu'en fait, on va jusqu'à Ospizio Bernina, mais c'est un itinéraire qui va en règle générale. Enfin, en vrai, il fait Tirano Saint-Moritz. Sauf que nous, on peut aller jusqu'à Ospizio Bernina, pas plus loin, parce que Saint-Moritz, on l'a pas sur la carte. C'est pour ça, avant de manquer de cartes, c'est ce qu'ils viennent de nous dire. Il existe donc 49 services au total, dont 6 services à mi-chemin entre Tirano et Ospizio Bernina et Pochiavo, où les manœuvres peuvent être effectuées le matin. 3 services Bernina Express font partie de l'horaire consistant en une montée et une descente avec une manœuvre à Tirano. Ces trains comportent l'autocar en plein air du module complémentaire RHB Anniversary Collection pour les joueurs qui le possèdent. Donc si vous n'avez pas ce RHB Anniversary Collection, ce DLC, vous n'aurez donc pas cet autocar de plein air, c'est-à-dire le wagon plein air, où vous pouvez voir en plein air.
On va le voir juste après en photo, il me semble. Non, on le voit pas en photo. On le voit en photo dans le DLC, dans la vidéo, si je me trompe pas. L'Allegra comportera donc des annonces de passagers, c'est ce que j'ai parlé juste avant et que vous avez pu voir dans la vidéo, entièrement mise en œuvre, s'appuyant sur une fonctionnalité similaire qui était déjà présente dans le module complémentaire ScotRail Express, créé par Riot Games. Cependant, contrairement à la classe 385 de ce DLC ScotRail Express, ceux-ci, ces sons-là, ces annonces-là, seront automatiquement diffusées au point pertinent et présenteront les trois langues différentes parlées dans la région. L'anglais, l'allemand et l'italien. Voilà. Donc ça peut être vraiment pas mal. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis le français, mais vraiment top. L'anglais, l'allemand et l'italien. Des annonces anglaises, allemandes et italiennes. 5 scénarios donc sont inclus, centrés sur la récupération du stock supplémentaire et de wagons de fret. Une vue panoramique emmène les joueurs dans une balade hivernale d'Ospizio Bernina à Tirano en s'arrêtant au cours de route dans des endroits pittoresques. Le Early Morning Shift, un scénario Early Morning Shift, qui commence avec le joueur qui monte à bord d'un train IA pour se rendre à Pochiavo, où il prend ensuite un nouveau train pour Tirano. Il y a aussi le scénario Hot Wheels, qui emmène le joueur de Tirano jusqu'à Ospizio Bernina en attelant un autre wagon à Campo Colonio, puis en découplant un à cause d'un essieu chaud à Cavaglia. Le scénario livraison rapprochée, qui emmène le joueur de Pochiavo vers Ospizio Bernina, livrant des wagons-citernes en cours de route. Et le scénario un train rempli de l'esprit de Noël. Le Père Noël a eu un peu de retard pour arriver à la montagne dans ce scénario sur le thème de Noël. Parce que peut-être que ça devait sortir avant Noël. Finalement, c'est pas sorti avant Noël, mais bon, c'est pas grave. Quand même un scénario sur Noël. Ce service fonctionne d'Ospizio Bernina, jusqu'à Tirano, pendant une tempête de neige, livrant des cadeaux à chaque station que le joueur décharge manuellement. Ça s'appelle pas mal, décharger les cadeaux manuellement. La différence de tension entre les itinéraires empêche les locomotives telles que le RHB GE442 de la Arosa Lini de circuler sur la Bernina Lini. Donc vous ne pourrez pas retrouver la fameuse locomotive que vous avez sur la Arosa Lini, vous ne pourrez pas la retrouver sur la Bernina Lini malheureusement. Il n'y a donc pas de couche de service pour cet itinéraire complémentaire. Mais l'Allegra bitension peut être exploité en mode free room bac à sable sur la Rosalini. Donc si vous voulez l'utiliser en free room sur la Rosalini, cet Allegra, ce fameux train qui est présent dans ce DLC, vous pourrez l'utiliser. Par contre, le contraire, ça ne sera pas possible, malheureusement. Cela offre donc une sensation nettement différente lors du fonctionnement de l'Allegra en raison de la différence entre les systèmes d'alimentation CA et CC qui sont entièrement simulé. Le long de la ligne Bernina, vous trouverez des objets de collection uniques, comme dans tous les DLC. Notamment ici, des pizzas italiennes et des chapeaux alpins qu'il faudra récupérer. L'itinéraire donc Tirano Ospizio Bernina sera disponible à partir du 16 janvier au prix de 36€. Et donc, il y a déjà 10% si on précommande sur Steam, 10% de réduction. Donc vous l'avez pour moins cher. Voilà. J'espère que cette vidéo de présentation de cette ligne vous a plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à mettre des commentaires. Et moi je vous retrouve très vite, très bientôt, sur Train Sim World pour de nouvelles aventures. Bye bye.